Ouais, les enfants, day 3. Troisième jour ici à New York. On est sur Times Square, on est en train de déjeuner sur des petits escaliers qui nous permettent de voir Times Square. Voilà, petit déjeuner tranquille, on démarre la journée tranquillement. That's good. Je vous salue là-bas en Suisse, en France, en Europe, peu importe où vous êtes. Je sais pas quelle heure il est. And I don't give a shit. Voilà, look at this. Wow, man. Des petits escaliers qui permettent d'apprécier la vue. Look at this. Right guys, juste une petite chose, vous allez voir, quand on s'appelle Quentin aux États-Unis, il y a des petits problèmes au Starbucks. Yeah. Voilà, quand on dit le nom, Quentin, what do you got? It's like fucking Quincy. On m'appelle Quincy, c'est à l'envers, je ne sais pas si vous le verrez, au pire je le mettrai sur. Donc voilà, si vous appelez Quentin, your name is Quincy. That's good, c'est un mélange de Quentin et croissant, ils ont dû voir qu'on avait un petit accent un peu français. Ils ont dû se dire c'est des French, donc on va les appeler croissant, hein? Yeah, Quentin devient croissant, that's the name. Et direction avec Tata, statue de la liberté, on est en train de marcher direction super joli petit parc. Don't know if you can see it. Magnifique. Donc on est en train de marcher, on va aller prendre un petit bateau qui nous amène sur Liberty Island avec Tata in the mix. Et puis on va reprendre quelques petits vlogs une fois qu'on sera là-bas. New York City shit. Alright les enfants, je sais pas si vous voyez derrière moi, on est arrivé sur l'île de la Statue de la Liberté. Et là on va bouger un petit peu, on va faire le tour de l'île et voir quelques trucs là-bas avec Tata. Voilà. You see that? Statue of Liberty. Combien d'arrivées il y a le tour de l'île à faire? C'est juste une petite île avec la Statue de la Liberté. On va se poser et regarder tout ça. It's gonna be awesome et on va faire un petit vlog après encore. Une petite vidéo dès qu'on sera bien devant, histoire que vous puissiez apprécier ça. Alright. La statue juste en dessous de nous. Il y a un petit coup de vent, je ne sais pas si vous allez entendre grand chose, mais sur l'île de la statue, tranquille, pépère. Mon deuxième homme. Right here, right now. Ok, donc on est avec Tata au musée de l'immigration. Il n'y a que des trucs à lire, les enfants. Que des trucs à lire, tout ce que je vois. Regarde, look at this. Lecture. Lecture all over the place. On ne sait même pas où regarder, il n'y a que des trucs à lire. Donc à mon avis, on ne va pas faire très long ici. Parce que... Ah, oh, shit. Non, à part ça, c'est super joli. Mais c'est un peu la guerre. Look at this. Little tour. Voilà, il n'y a que des trucs à lire partout. On vient d'arriver ici, on est sur Ellis Island, donc l'île qui est juste à côté de l'île de la Statue de la Liberté. C'est pas cool. Super joli, super beaucoup de monde, super beaucoup de monde. That's cool. Enjoy the view, motherfuckers. Une superbe salle, on ne sait pas à quoi elle sert. That's cool. Et les drapeaux américains. Je fais un petit tour, look at this. C'est pas cool. Là, on est toujours dans le musée de l'immigration. Le musée de l'immigration sur Ellis Island. Et c'est assez fun, même s'il y a beaucoup de lectures, on en apprend beaucoup. Mais pour ceux qui ont été à l'école, voilà, vous n'allez pas apprendre grand chose de plus. Et s'il y a une chose que je peux vous demander, peut-être, si vous avez des enfants, ne leur infligez pas ça. Don't do that to them. Qui a envie d'être ici? Pas des enfants de moins de 35 ans. Yeah? Got it. Mais c'est joli, le petit tour d'une grande salle ici dans le musée de l'immigration sur Ellis Island. Pretty cool. Voilà, déjà dehors avec Tata de ce musée de l'immigration, on est resté quoi? Une dizaine de minutes, je crois. Honnêtement, je suis pas là pour ça. But that was cool. C'était joli, mais pas très intéressant quand même. Beaucoup de lectures pour pas grand chose. Pas très ludique, vous avez un petit tour de Ellis Island ici, vous voyez un petit peu où on est. Donc vraiment une île au large de Manhattan. Enfin au large, pas très large que ça, quelques kilomètres maybe. Et on est dans le parc juste à côté, c'est super joli.
pas mal de monde. It's really cool. Et vous voyez la queue pour le ferry qu'on va faire après, juste derrière moi ici. On va reprendre pour partir sur Manhattan. That's it, that's beautiful. Et mon petit père, des fois à New York, tu rencontres des trucs sympas. Genre un énorme cube au milieu de la Strasse. Yeah? See it? Et ça m'a juste envie de te dire... dans ton cube. Yeah! Look at this! Woo! Dans ton cube, motherfucker! Goodbye! Les enfants, petit restaurant de sushi. On va juste acheter quelques petits trucs avec tata histoire de manger ça. On va servir la sushi. Bien sûr. Avec un petit peu de sushi style, on ira chercher un quelque chose pour moi parce que je suis pas trop sushi. Yeah. Non. Pas de sushi pour moi, mais tata va se faire plaisir ce soir.